home by the roadside in a broken down carriage, came into life on the run. Salut à tous, ici Jack, bienvenue dans ce nouvel épisode de 7 Days to Die. Alors, avant de commencer, je vais commencer déjà par me faire un peu à manger et ensuite, je vais attaquer l'aménagement de l'intérieur de la base. Ah, petite visite. Petite visite nocturne. T'es où ? Elle est où ? Elle est là. Viens là, ma mémé. Ah bah voilà, venez par ici, me casser un peu mes piques. Hein. Bon, c'est bon, on a une petite équipe de nuit qui est venue s'occuper de mes piques. Nickel. En plus, il me lâche de la bière. Ok. Donc on a notre descente qui est là. Ouais, éventuellement, je vais faire un angle. Angle en bois. Plutôt une pente. Ouais, c'est ça. Rampe avec structure en bois. Ouais, ça serait plutôt un truc dans le goût là. Ça va tenir, ça. Ouais, ça tient. Ok. Ok. Ouais, ça m'a l'air pas mal, ça. Attendez voir. Voilà. Ça, c'est bien, ça. Ça, on va pouvoir se faire un petit passage en dessous là, et puis là le truc au dessus là je vais le faire en béton. Ouais, ça va être pas mal ça. Avant on va, hop, voilà, je renforce par là, voilà. Bon, éventuellement je remplacerai par un escalier en fer après. Et là, comme ça, on a la petite descente. Et puis, on va mettre tout le matériel ici. Alors, j'ai peut-être fait un peu étroit. Il faudrait que j'élargisse, peut-être. Ouais, je vais élargir par là, je pense. En plus, moi, ça va me faire du fer. Yes. Alors, je vais faire un peu tôt. Au cas où. Ok. Et comme ça on va pouvoir se faire un petit réseau. Ok. Alors il en a besoin de faire, lui. On en a fait 600. C'est pas énorme. Juste à côté. Bah, il est là. Attends, vous l'entendez comme s'il était à côté, quoi.
Yes. Outil minier 80, par contre, pâte mécanique. Ah, ça, c'est bien ça. Récupérer plus de matos. Allez, on va se faire minette. Oh, cet échec de. Cet échec du tien. Yes, ça marche nickel. Alors du coup ça veut dire que les renforcements de pôle, je vais plutôt les faire sur la partie inférieure. Ok, bon bah salut petit matin. Alors on est le jour 14, ce soir il y a la horde. Je vais éviter d'aller me balader. Ce que j'ai bien envie, c'est d'aller m'occuper des aménagements à l'extérieur. Alors avant, je vais regarder un peu où j'en suis au niveau du matériel. On a 32 barreaux en fer là. J'ai encore des structures en fer à béton. Je crois que des barreaux en fer, il va m'en manquer. Que je refasse, je pense qu'il m'en faut 40 et je vais refaire du fer. On va en refaire 1000. Ouais, j'ai mis les petits tuyaux à fondre, je pense que ça va me rapporter pas mal de fer. Ok, alors aménagement ici. Alors je pense qu'on va on va remplacer la structure. Ouais, je pense que je vais refaire les la partie extérieure. Ça va être pas mal, ouais. Donc ça va être remplacé par du... ouais, j'avais fait ça déjà en dur. Je peux... Ah, oh, j'ai faim. Bon, ça n'a plus vraiment lieu d'être. Je vais aller remplacer déjà le tour avec du béton. Vous voyez, avec ici. Ok, superbe. Ok, bon, sur l'intérieur, je sais pas encore hop là, trop comment je vais gérer ça. Sur la partie extérieure, je vais installer ces trucs là. Yes. Oui, comme ça va être bien propre. Et vous voyez comme ça les spiders. Les spiders ne vont pas passer. Ah, il va m'en manquer quelques-uns. Et puis la rampe là, je vais voir comment je vais la faire. Elle est pas trop mal comme ça. Ah oui, alors j'ai des pôles à mettre. Oui, il faut que je les double. Hop là, faut que je les double ici. Ok. Faut que je les double aussi ici. Ah, ils ont pas l'air doublés de ce côté-là aussi. Ils sont pas doublés là et ils sont pas doublés là. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me faire quelques pôles histoire de renforcer aussi de ce côté-là.
Alors, je vais enlever aussi ma bêtise. Ok. Ouais, je vais encore des poteaux en béton. Ce que je vais faire, je vais profiter que c'est calme pour éliminer un peu de fer en bas. Vous m'avez conseillé d'aller plutôt miner en bas, donc c'est ce que je vais faire. Alors, on en est où? Ouais, vous voyez, j'ai récupéré 900 minerais en assez peu de temps en fait. Hein. Bon, je vais aller relancer la turbine et on va aller voir pourquoi une miette, à mon avis, elle doit être au-dessus de l'endroit où je suis en train de miner. D'ailleurs, ça expliquerait pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont attirés par ici. Bon, on va aller. Là, vous voyez, tac, on a permis de faire le plein. Alors vous m'avez conseillé aussi pour récupérer du sable d'aller miner dans le désert. Ça c'est une très bonne idée. Allez là-bas Ginette. Ouais, ça vise de loin ça. Hein. C'est beau, ça c'est beau. Je crois qu'elle est morte. Ah non. Voyons. Ah si, c'est bon, je l'ai eu. Ok. Alors, je vais terminer mes petits aménagements. Mes petits aménagements ici. Du coup, il faut que j'en refasse encore 6. Attendez. Ouais, c'est ça. 6 pour mettre ici. Sinon, on a fait tout le tour. Alors, mis à part ce truc-là qui n'a pas vraiment de sens. D'accord. Voilà, 7 à faire. Et il y a l'épaule. Je vais aller chercher l'épaule. Alors, on va commencer déjà par enlever les pics qui sont là. Voilà. Alors là, du coup, je peux pas les mettre à cause des pics. Hein. Ok, superbe. Alors c'est bien parce que vous voyez, je peux les mettre de l'intérieur. C'est plus safe. Alors là, c'était bon. Il y a de ce côté-là aussi. Ce côté-là. En haut, ils ont pas l'air doublés. Et là, ils sont pas doublés aussi. Alors là, ils sont mis, c'est là. Impec. Il y a ici. Ben, j'en ai plus. Bon, ok. Le temps que ça se fasse, parce que vous voyez, là, ils sont en train de tourner. Je vais en profiter pour affecter ici. Doivent être prêts. Gagné. Ok. Donc ceux-là sont faits. Ceux-là sont bons. Hop là. Est-ce qu'on a un chien? Apparemment non. Je me méfie.
Allez, venez par ici. Comme j'ai les turbines qui tournent à plein régime, il y a les trois forges qui tournent plus le béton, évidemment, ça a tendance à attirer un peu les petits zoulous. Allez, zou. Ok, donc les pôles ici, je crois qu'ils étaient bons. Ok, il y a là que j'avais pas fait. Et puis il y aura en bas aussi. Est-ce que ça vaut le coup de les mettre à la base là? Non, on peut pas. Ok, on va aller voir de l'intérieur ce que ça donne. Je vais en profiter pour renforcer les pôles ici. Alors, on a double épaisseur. Hein. Je pense. Enfin, je veux bien votre avis sur le sujet, mais je pense que là, on devrait quand même arriver à repousser la deuxième horde et probablement probablement la troisième. Je me rends pas bien compte, hein. N'ayons pas dépassé. Ah, j'ai plus de. D'accord. Ok. Non, j'avais l'impression qu'ils s'étaient pas doublés. Ah non, vous voyez, ils sont pas doublés. Ici, j'avais bien raison. Yes, nickel. Oh bah le compte est bon. En bas, ouais, ils ont l'air doublés. Je vais aller vérifier à l'intérieur. Ouais, c'est pas doublé ça. Allez, essayer d'aller faire cela. Non. Alors vous m'avez conseillé aussi de faire des barbelés. Ah, j'ai plus de fer, ok. Donc ça c'est bon. Ah, vous voyez en bas là, ils sont. En bas ils sont pas doublés. Faut que je refasse. Faut que j'en refasse 7. Hein. Ok. Donc là ils sont tous doublés. Ils sont tous doublés. D'ailleurs j'en ai fait un trop. Pourquoi? Il n'y a aucune raison à ça. Ok. Alors maintenant je vais aller m'occuper. On va déjà aller vérifier. Voir si j'ai les petites structures en bois. Et puis je pense que je vais me faire un toit un petit peu plus efficace que ça aussi. On va ranger le pôle ici. Il sert à rien. Bon, en termes de béton, on est pas mal. Oh, il y a du monde. Allez, pep. On est par ici. Venez par ici, j'ai besoin. J'ai besoin d'XP. Bonjour. On va tenter le. Oh, c'est bien ça. Raté. En même temps, elle avait la tête dans les. Elle avait la tête dans l'herbe. Je la voyais pas forcément. Oula. Ça nous fait de l'exercice. Ça me fait penser. Il va falloir que je regarde si je peux faire la machette. Parmi vous, il y en a un qui m'a dit que j'avais probablement la possibilité de la faire. Ça pourrait être pas mal. Ok. C'est câble. De l'XP et du loot.
Ok, je vais désosser tout ça. Ok. Alors je regarde où j'en suis. Ça c'est bon. Alors il va peut-être manquer quelques torches, histoire qu'on y voit plus clair. Mes barres devaient être prêtes, je pense. Ah bah on a plus de. On a plus de pierre. On a plus de pierre pour pour faire du béton. Donc il va falloir que j'aille miner de la pierre. Je vais aller pelleter en bas. On récupère de la pierre. Alors avant, je vais aller placer quelques torches. Voilà, on va les mettre dans les coins comme ça. C'est plus joli. C'est plus régulier. Voilà, et puis pour le petit côté fun, on va en mettre là aussi. Ok, alors normalement j'ai aussi maintenant ça que je peux placer. Alors attention, pas de bêtises. On évite de se tromper de touche. Yes. Oh bah c'est pas mal ça. J'espère que ça tient. Oui, ça tient ça. Vous voyez, avec cette défense, j'ai la vision. Alors, idéalement, il faudrait que je fasse deux largeurs. Vous voyez que je rejoigne et que je fasse deux de large ici, histoire d'avoir une meilleure vision. Mais bon, ça suffira largement pour la deuxième horde. Alors non, je vais m'occuper de ce toit. Je ferai bien du béton tout simple. Alors, éventuellement, je pourrais faire aussi du verre. Je vais aller voir ça. Un bulletproof. Alors, il faut de la pierre, il faut du lead. Il faut du fer. Donc ça j'en ai. Tac. Il faut aussi de la pierre, donc ça c'est facile. De la glace, du verre. Il faut simplement du sable. Et du coup je vais manquer, alors oui, je vais manquer de pierre. Ce que je vais faire en attendant, c'est que je vais descendre miner un petit peu. Ok, bon, ça farme plutôt bien la pierre ici. Ok, il n'y a plus de lead là-dedans. Non. Ok, bah je crois qu'il ne faut pas de brasse pour celui-là. Donc on va pouvoir se faire nos premières bulletproof plates. Je vais essayer. J'ai jamais essayé ça. Donc il va m'en falloir. Il va m'en falloir 49. Alors un peu moins avec ce truc-là. On va essayer ça. Ça va être pas mal. On va commencer à enlever cette partie-là. Eh ouais, logique. Ouais, ouais. Est-ce que je vais avoir le temps de faire mes plaques? Je vais aller voir ça. Maintenant ça met. Waouh, c'est hyper long. Ah oui, je vais avoir pas le. Ah, je vais pas avoir vraiment le temps de faire ça en fait. Hein. Ah, mais regardez, lead. J'en ai vraiment pas beaucoup. Et combien j'en ai là? J'ai rien du tout en fait. Bon, ça rapporte quoi? Est-ce que c'est ce qu'il me faut ça? On va vérifier. Est-ce que la stone, j'en ai suffisamment? Bon, apparemment ça rapporte du plomb, donc ça c'est bon. Par contre j'ai rien d'autre pour choper du plomb. Ouais, c'est bien triste, on va pas pouvoir se faire la super structure.
Éventuellement, si vous pouvez me dire en commentaire où est-ce que je peux farmer du lead. Alors, il me semble de mémoire qu'on peut en choper sur les cailloux ronds. Là-bas, on va aller voir. Ouais, sur ces trucs-là, du lead, on peut en avoir, je pense. Ouais, on en a un peu. Bon, c'est pas foufou, mais ça fera le job en attendant. Oh bah ça c'est la nuit, c'est la petite folie qui nous attend. Oh, il y a un cerf là-bas. Ah c'est bon, je l'ai eu. De nourriture. Alors mon gros, t'es perdu? Oh, le bruit qu'il fait lui en crevant, c'est terrible. Il en faut une quarantaine quand même pour faire le pour faire les vitres. On va falloir vraiment que je trouve une source intéressante pour le lead, sinon je vais jamais réussir à faire assez de vitres en fait. Bon allez, préparation pour la petite horde. Ouais, ben je vais pas avoir le temps de faire mon toit. Bon, c'est pas grave, je range 2-3 trucs et on est tout bon. On va aller tester ça déjà. Déjà pour voir ce que ça donne. Ok, alors plaque en fer, tac. On va poser ça ici. Alors ça dit quoi? Est-ce que c'est solide ça? C'est toute la question. Hein. Alors c'est joli. Oh oui, c'est costaud. 3000. Je crois que c'est l'équivalent de ça en fait. Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre ce truc-là en attendant. Je vais me refaire une échelle. On va la faire en fer. Ça va être un petit peu plus classe. Et ce que je vais faire, vous voyez, c'est que ici, voilà, à partir de celui-là, je mettrai du béton. Comme ça, je vais compléter avec du bois. Mais juste pour. Eh bien au milieu là, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Juste pour celle-ci, ça va me servir de support pour mon échelle. Voilà, comme ça j'aurai ma sortie juste ici. Ouais, il y en aura assez. Bon allez. Bon, je termine les prep. Je vais quand même prendre un flingue au cas où. J'ai celui-là qui est pas mal. Là, j'ai aussi besoin de la masse. Bon, ça, je laisse là. Et puis, tout pataquès ici. Ça va rester là-dedans. Alors, je vais garder le béton sur moi pour pouvoir réparer en cas d'urgence. Voilà, du coup, je mets ça. Hein. Alors, vous me direz si c'est si c'est une bonne idée ou si c'est une idée stupide que j'ai eue là. Ok. Ok, bon, là, ça devrait être pas mal. Ok. Eh bien, on se retrouve dans quelques minutes pour la lune de sang. Moi, je vais en profiter pour vérifier un peu le niveau manger et tout le pataquès. Bon bah écoutez, c'est parti. On va voir si ces défenses tiennent le choc. D'accord, ok. Ok,
faut venir là. Bah écoutez. Oh! Il y a un mec en. Il y a un mec en tenue d'asmat. Oh bah dis. Ça leur fait vachement de dégâts. On va looter. D'accord, des coups. Allez. On va essayer de les attirer par là. Ok. On va s'économiser un peu notre énergie. On va mettre gun. Il y a du peuple, hein. Ok. Alors, est-ce que ça lui vient? Ouais, ça lui vient. Allez. Toi, toi, rien du tout. Alors j'aurais peut-être dû prendre de la bière. Ils sont carrément poussés à l'extérieur. Allez. Voyons. Il y a du peuple, hein. Il va me falloir des explosifs à un moment, hein, parce que là... Ah, j'ai entendu un truc cassé. C'est bon.
Ah, ça a l'air plus calme. Bon, hop. On va scraper. Dis quoi, toi? Toi, t'as trouvé le seul endroit où il n'y avait pas de pique. Intéressant. Bon, bah écoutez. Ah, je pense que le bruit qu'on a entendu de trucs qui cassent... vous voyez, c'est les pics. Les pics qui ont pris assez méchamment cher. Hein. Non, j'arrive pas à l'avoir d'ici. Oh! Le chien est... Non, je pense pas que le chien est passé. Je pense que le cadavre a été poussé. A été poussé en dehors. Bah, ça s'est plutôt bien passé. Un peu mieux que la première. Bon, la première, on n'a pas eu spécialement de soucis à part la perte du coffre. Ok. Bah, c'est nickel, ça. Alors, visiblement, vous voyez, là, il y a un Paul qui a lâché. Donc, j'ai quand même bien fait. J'ai quand même bien fait de les doubler. Et vous voyez là, hein, il y a quand même eu... il y a quand même eu de la perte. Hein. On a perdu un pic. Yes. Bon, par contre, niveau loot... niveau loot, c'est pas au bouffe. On a récupéré quoi? Ouais, des trucs à moitié moisis. Un peu de cuir avec les chiens. Ouais, c'est pas Jojo. Hein. Alors, je vais aller voir si j'ai pas du fer, si j'en ai, pour refaire un pic en fer ici devant. Ah, vous voyez, hein, le poteau a pris cher. Hein. A pris super cher. Bon, après, j'ai pas. Vous voyez, j'ai pas forcément été spécialement inquiété pendant l'opération. On va replacer le pic ici. Voilà. Ok, alors moi, mes plaques fer qui sont arrivées. Ouais, pour réparer, il va falloir du fer. Ouais, je vais lancer... on va lancer 1000. Et derrière, on va faire de l'acier. Acier forgé. C'est marrant parce que la dernière fois, ça avait l'air de revenir, en fait. Alors, on a ce truc-là. Je vais en profiter, je vais mettre mes vitres. Ouais. Alors, on copie. Tac. Ouais, ça va faire pas mal. Hein. Alors, la question que je me posais, c'est... Oh non! Merde! Oh, c'est naze, ça, sérieusement. Péter la jambe. Jambe sous attelle, une heure. Oh, c'est pourri, ça. Ok. Bon, reprenons. Ah, c'est plutôt joli, ça, quand même, non? Moi, je trouve ça sympa. On va voir ce que ça donne. J'espère surtout que ça se casse pas, en fait. Oh, alors toi, mon petit coco. Tiens, dans ta mouille. Sympa, le petit reflet de lune rouge à travers. Allez. Oh, puis avec la telle, du coup, je suis blessé. Ah tiens, on a un Jean-Pierre là qui arrive. Attends. Oh, regardez comment je me traîne, c'est terrible. Viens là. Voilà. Bon bah écoutez, c'est plutôt calme. Ah. Ah bah ça arrive, on a une deuxième vague. Ah voilà. Bon bah ça va arriver au compte-gouttes.
voyez. Alors ce que vous m'avez mis aussi en commentaire, là j'avais pas eu le temps de le faire, voilà, pas eu le temps, hein, c'est d'installer des barbelés. Alors j'ai vu faire ça Lolo hein, dans ses vidéos et aussi Gitoon. Vous mettez des barbelés et ça va tout simplement les ralentir. Ça évite qu'ils arrivent direct, direct sur vos défenses. Ouais, ça évite qu'ils arrivent direct dans les défenses. Mais le cadavre a disparu. C'était le cadavre de la sorcière bien-aimée. Bon bah, attendez, on va réparer là. Bon, je vais faire les réparations. Et puis je vais attendre la fin de la nuit. Alors c'est marrant, on n'a pas eu de spider. Je sais pas si c'est normal. Voilà. Ah bah si, voilà. Voilà mon type. Bah merci de ton intervention, hein. C'était c'était plutôt efficace. Ok. Oh, ce ratage de tête. Alors, je vais en profiter à aller voir si j'ai pas. Vas-y, tombe-toi. Si j'ai pas l'homme à la main. Vous voyez là. Si j'ai pas la possibilité de faire des machettes. Vous m'avez dit en commentaire que je pouvais. Ah voilà, c'est ça. Par contre, il me faut. Ouais, il me faut une lame. Et la lame de machette. Machette blade. Ouais, mais ça. Ça, je sais pas faire. Hein. La machette, je sais pas du tout faire pour l'instant. Bon, je vais aller vérifier. Ah. Ah, le voilà. Allez, viens mon coco. Oh, il loot rien. C'est terrible. Putain, je suis tout lent, mais ça c'est naze, la chute là. Alors ça m'est déjà arrivé avant. Hein. Vitesse de. Ouais, j'ai une vitesse de déplacement à 2 balles. Oh, raté. Vous voyez, les cadavres disparaissent. Donc, est-ce qu'ils... Non, ils apparaissent pas au-dessus. C'est assez curieux. Bon, en tous les cas, j'aime beaucoup mon... J'aime beaucoup mon truc en vert, là. C'est plutôt joli, ça. Vous voyez, mon petit pépère? Ouais, j'ai eu peur. Je peux pas sauter. Essayer de s'entraîner à tirer un peu. Raté. Est-ce que je peux t'avoir en plein vol? Allez, viens. On va essayer de faire un strike en plein vol. Non, ça marche pas. Et t'es pas... T'es pas maxi finesse. Hein. Autant moi je sais pas tirer, mais alors toi... Il est où ce couillon?
nullité de cet homme. Oh. Ok, bon, j'arrête mes bêtises. Bon, je vais aller m'occuper en bas un petit peu de mes ressources. J'arrive plus à descendre. Ah, parce que je suis pas du bon côté. Ok, personne ne se moque, c'est interdit. Oh, des bottes. Ça vaut des sous, ça. Alors, je pense que à la suite, dans le prochain épisode, il faudra qu'on essaie d'aller au trader qui se trouve... Voilà. Qui doit se trouver dans ce coin-là. Parce que vous vous souvenez, quand on avait galéré au premier épisode, ça doit être ici. Il y avait un trader par là. L'un d'entre vous me l'avait signalé en commentaire. Je pense qu'on ne se gênera pas. On ne gênera pas pour ça. Ouais, ça marche pas mal hein, comme défense quand même, faut admettre. Hein. Ouais, ok, on va prendre un peu de fer et je vais aller réparer. Il est où l'état de mon personnage ? Ah, mais c'est hyper lent ça. Et je pense pas qu'il y ait des moyens de diminuer cet effet quoi. Bah. Oh, ce bruit d'alien qui fait lui, c'est terrible. Tac. Bon bah écoutez, c'était ça s'est plutôt bien passé. Je suis premier surpris parce que je pensais vraiment qu'on aurait des. Ah mince. Qu'on aurait des trucs à moitié foufou. Et bah voilà. Une petite horde, ma foi, fort sympathique. Et puis bah dommage que je me sois blessé à la jambe. Parce que du coup, j'ai pas osé sortir. Ok les amis, et bien sur ce, on va s'arrêter là-dessus. Je pense qu'au prochain épisode, j'essaierai de faire ce que je vous ai dit, hein. Retourner au trader, histoire de... Ah bah toi t'es là toi, t'arrives quand tout le monde a fini. Voilà. Ok, magnifique. Je peux pas t'avoir toi ? Non. Ok, bah je pensais qu'on allait avoir un peu plus de zombies spéciaux, genre militaires et compagnie. Mais visiblement, on n'a peut-être pas encore le niveau pour avoir les gros machins. Et bien sur ce, les amis, merci d'avoir regardé en tous les cas cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Et bien, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et puis, pensez à laisser un petit pouce et à commenter la vidéo. Voilà, salut !